Charlène de Monaco a quitté le Rocher depuis 5 mois. Une absence qui interroge. Sur la principauté, certains commencent à affirmer que la princesse a eu du mal à se faire une place, comme le rapporte le L. Charlène de Monaco est coincée en Afrique du Sud depuis plus de 5 mois. L'épouse du prince Albert aurait contracté une grave infection ORL l'empêchant de reprendre l'avion pour rejoindre le Rocher et les siens. Mais cette longue absence commence à faire jaser. Si à son arrivée, l'ex-nageuse professionnelle faisait l'unanimité, il semble qu'elle ait finalement eu du mal à se faire une place, comme le rapporte elle, dans un article paru le 19 octobre dernier. Selon le, certains observateurs de la famille royale monégasque estiment que la maman de Jacques et Gabriel n'a pas « le niveau », lui reprochant notamment de ne pas avoir réussi à apprendre le français. Mais pour d'autres, son intégration sur le Rocher n'a pas été facile. On n'imagine pas combien la cour est un panier de crabes, souligne une source à elle. Je pense que Charlène n'a pas eu sa chance, dès le départ les dés étaient pipés par la jalousie des uns et l'ambition des autres. Et d'ajouter, amour, gloire et beauté, c'est les Teletubbies, à côté des intrigues de cour. Et le tout sur 2 km², vous imaginez? Tout ce qu'elle essayait de faire était moqué, rabaissé. Albert n'a jamais eu le courage de prendre les mesures qui s'imposaient pour défendre sa femme. Charlène de Monaco aurait aussi fait les frais de l'entourage de son époux qui n'a toujours pas été très sympa avec elle, assure cette même source. Le prince Albert II n'aurait d'ailleurs pas été d'un grand soutien pour celle à qui il est marié depuis 10 ans, contrairement à son père, le prince Rainier, qui a beaucoup protégé Grace Kelly. Albert n'a jamais eu le courage de prendre les mesures qui s'imposaient pour défendre sa femme, avance-t-elle. Point. Claudia Albuquerque, autour de famille princière de Monaco, rumeur tension critique à propos de.